Le beffroi ou Tour Saint-Jean. Le beffroi municipal fut construit à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle. Ce monument était le symbole de la richesse d'hommes de loi et de marchands. Il était également nommé Tour Saint-Jean car il servait de clocher à l'église paroissiale. Après le siège de 1573, le commandant des armées royales, Claude de la Châtre, fit retirer la cloche et l'horloge en représailles de la résistance de la ville. Le beffroi était surmonté d'une flèche de pierre qui fut abattue en 1725 par une tempête. La flèche ne fut pas réparée et la toiture fut abaissée. Cette tour fait 8 mètres de côté et 20 mètres de hauteur. Au rez-de-chaussée se trouve une chapelle qui abrite la cloche et le mouvement de l'horloge retiré en 1573. Au premier étage étaient autrefois conservés les documents attestant de la franchise de la ville. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges de l'ancienne cheminée. Sous la toiture se trouvent les cloches.